La semaine dernière, j'ai défendu une proposition de loi constitutionnelle pour faire entrer la sécurité sociale dans notre constitution. Et cette loi va être discutée à l'Assemblée nationale en séance dans l'hémicycle cette semaine, jeudi 30 mai. C'est une proposition de loi qui est très importante à mes yeux parce que, en réalité, la sécurité sociale ne figure dans la constitution que dans un coin obscur. À travers ce qu'elle coûte à partir des lois de financement. Mais jamais, à aucun endroit, elle n'y est reconnue comme une institution fondamentale de la République, et jamais, à aucun endroit, on y affirme, on y proclame ses principes fondamentaux, celui de la solidarité, celui de l'esprit de service public qui protège de la privatisation, celui également de la participation des assurés à la gestion, qui préserve aussi de l'étatisation outrancière, et puis celui que nous connaissons toutes et tous, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, qui est le principe fondamental de la sécurité sociale. Donc je vais mener bataille pour que nous puissions faire entrer la sécurité sociale dans notre constitution, pour que nous puissions en réalité mieux la protéger, parce qu'elle est menacée toujours depuis sa création. En réalité, cette formidable invention sociale a été menacée, en l'occurrence, un certain nombre d'appétits, notamment de forces de la finance, continuent de se manifester. Il y a des gens qui sont perchés là-haut sur la branche et qui attendent de savoir ce qu'ils vont pouvoir grignoter de la sécurité sociale. Donc, ça sera une manière d'instaurer une protection maximum du point de vue du droit et de donner une force à ces principes, de donner une force peut-être aussi à ce que nous appelons la République sociale et qui est un principe trop souvent interprété de manière sous-interprétée en fait hein, par les juristes et trop souvent par le Conseil constitutionnel. Donc l'idée voilà, c'est de donner force à la République sociale, de donner force à la sécurité sociale. Ça réglera pas tout, il suffira pas de la mettre dans la Constitution pour avoir réglé tous ses problèmes et pour lui donner le nouvel élan dont elle a besoin. Mais je crois que ce sera un bon début et puis ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres idées derrière la tête.